fête ce soir. Voilà, c'est non seulement ma fête, c'est aussi, en fait, on est ici pour célébrer la sortie du troisième tome de ma bande dessinée, qui est une bande dessinée sur le monde de la nuit et le monde débranché, et qui répond au doux nom de suicide social. Pourquoi suicide social d'ailleurs ? Eh ben, suicide social en fait, c'est-à-dire que quand en général, on essaie de décrypter un milieu de manière un peu, on essaie de brocarder en tout cas tout en faisant partie. Là, on peut dire qu'on crache dans la soupe, ce qui, moi, n'est pas du tout ma démarche, mais bon, c'est la compréhension extérieure de cette chose-là. Et alors que moi, j'ai choisi ce truc-là parce que c'est ce que les gens ont compris de ma démarche. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais tu vas voir, tu vas te cramer, tu vas plus pouvoir rentrer là-bas, on va plus t'inviter, etc. Alors qu'en fait, depuis que j'ai sorti le premier volume... Visiblement, non, ça n'a jamais été aussi bien pour toi. C'est un peu terrible parce que, en fait, je joue à fond le jeu de ce que je critique dans ma BD. C'est-à-dire que là, on est là avec plein de gens qui font partie de ce milieu-là, bon, qui sont malgré tout mes amis. Mais voilà, il y a des gens... Oui, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que la BD, elle brocarde un peu les branchés. Ouais. Là, je viens de faire un tour dans la fête, il n'y a que ça, des branchés. Il n'y a juste que ça. Malheureusement, bon, l'adage dit qu'on ne choisit pas sa famille. Et moi, je n'ai pas choisi mes amis. Là, j'ai navigué là-dedans depuis que je suis à Paris. Ça fait 12 ans que je suis à Paris. Ouais. 12 ans que je sors beaucoup trop parfois. Mais enfin, je sors beaucoup en tout cas. Et donc les rencontres que j'ai faites sont celles qui sont là ce soir. Donc il y a des gens voilà, du cinéma, de la télé, des journalistes presse écrite, etc., etc. Il y a plein de gens, de la mode. Alors, et voilà, je joue le jeu malgré tout. Ouais. Alors du coup, donc, ça fait effectivement 12 ans que tu écumes la nuit parisienne. Ouais. Sur les 12 dernières années, elle a évolué comment la nuit parisienne? Ben, alors je ne sais pas si c'est elle qui évolue ou si c'est moi qui la vois de manière différente. Mais, peut-être que tu vieillis déjà. Voilà, malheureusement, si on voit les photos avant et après, on voit qu'il y a une différence. Mais malgré tout, moi je pense que ma vision change aussi sur ce milieu-là. Je ne sais pas si c'est aussi différent qu'il y a 12 ans. Mais la seule peut-être différence qu'on peut voir, c'est que maintenant, le milieu débranché, peut-être qu'il se crée moins de choses. C'est-à-dire c'est quoi, que, pardon dans le milieu débranché, peut-être qu'il se crée moins de choses. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où voilà, toutes les tendances émergeaient vraiment de ce milieu-là, et c'était vraiment les prescripteurs. Ouais. Alors que maintenant, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le monde débranché qui récupère, qui a l'affût des tendances et qui fait en sorte après... voilà, de les populariser à l'extérieur. La nuit parisienne, globalement, tu trouves qu'elle s'appauvrit et qu'elle est en train de mourir gentiment, non ? Oui, parce que l'offre est quand même vachement différente aussi. Il y a moins de clubs alternatifs. Enfin, moi, j'ai vraiment commencé à sortir au Pulp, comme que tout le monde connaît, qui était une boîte lesbienne, etc. Et j'adorais ça. Alors que, bon, les lesbiennes, à la base, sont pas censées s'intéresser à moi. Mais il y a moins d'alternatives. Et puis aussi, il y a moins de points de rendez-vous. Là, qu'il y a eu une époque où je savais que si j'allais au pub, j'allais croiser pas mal de gens que j'aime bien. Enfin, je pouvais me permettre de sortir tout seul en boîte, etc. Maintenant, c'est un peu différent. Faut que je prenne rendez-vous ou alors faut que je me rencarde avec Facebook. Enfin, d'ailleurs, on voit que maintenant, ça pullule. Il y a plein d'agendas sur les soirées, les sorties. Moi, je dis, c'est un des cancers de la nuit parce que ce qui est bien dans la nuit, c'est l'inattendu. Ouais. Et là, maintenant, le problème, c'est qu'on sait qu'à 19h, on va être là parce qu'il y a un open bar. À 22h, il y a un concert avec machin, et puis on va finir après à 3h30. Est-ce que c'est pas terrible ça, cette espèce d'obligation d'enchaîner les rendez-vous? Parce que quand même, à la fin, c'est la substance du rien, ou en tout cas, c'est... En même temps, le rien, ça remplit vachement la vie, et ça remplit vachement nos nuits, bizarrement. La nuit parisienne, elle est encore un peu libertine, marrante, coquine ou pas? Ou est-ce que le sexe est triste? En tout cas, pas pour moi. T'entends mieux, je suis contente de savoir. J'ai le sexe heureux, oui. T'as le sexe heureux, ça va, souvent, ta vie... Ça se porte bien. Oui, en même temps, ça permet de choper un peu. Là, je sais que ce soir, si je ne chope pas ce soir, je ne choperai jamais. Quoi. Ah oui, c'est ça, t'es un peu obligé. J'ai fait exprès de romper avec tout le monde avant de venir ce soir. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que la nuit parisienne, il y a un côté où elles sont canailles vachement maintenant. Ouais. Je sais pas, il y a un peu moins d'un an, il y avait les lancements là, de Vitamine Triple X, je pense que c'était Vitamine. Ouais. C'était aux chandelles, voilà, que je ne présente pas. Là, il y a le No Common qui vient de réouvrir par Anne-Marie Roulier, et qui est une ancienne botte échangiste. Donc il se passe des choses au fond. Bon, donc tout va bien, ta vie va bien. Oui, et puis j'espère que je vais récolter un peu les fruits de ma soirée. Oui, c'est ça, que tu vas repartir avec une jeune fille qui... Plusieurs. Bah oui, bien sûr, excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, mais écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée, alors. Merci.